Histoire de quartier. Les quartiers sont les théâtres d'histoires individuelles et collectives. Et les communautés qui y vivent sont marquées par des anecdotes, des personnes, des lieux et des institutions qui en font partie. Les autrices et les auteurs sont les témoins de ces quartiers et racontent leurs histoires. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à rencontrer des autrices, des auteurs, mais aussi mes collègues dans les bibliothèques et des usagères et usagers qui aiment leur bibliothèque de quartier. Dans cet épisode, Tara Charland, chargée de cours en création littéraire et autrice, nous rejoint à la bibliothèque de Cartierville. Nous avons parlé de son récit illustré « L'été au parc Belmont », publié aux éditions La Mèche. Bonjour, moi c'est Sarah. Tara. Enchantée. Vous pouvez déposer vos choses. Merci. Sarah Charland, bonjour. Bonjour. Je suis bien contente de vous accueillir aujourd'hui. Dans Histoire de quartier, on met en lien un livre, un auteur ou une autrice et un territoire. Et aujourd'hui, on est dans Cartierville. Votre livre, c'est « L'été au parc Belmont ». Donc, ce gros parc d'attractions qui se trouvait à Cartierville jusque au début des années 80. Votre récit, je vais appeler ça un récit, il est composé de textes, de photos, il y a quelques petits dessins, barres obliques, plans dans le livre aussi. Puis je voulais en fait que vous me racontiez un peu la genèse de tout ça et comment cette idée-là vous est venue d'écrire ce livre tel qu'il est aujourd'hui. En fait, c'est en 2015, j'étais chez ma mère à Blainville, donc sur la rive nord. Puis en allant au sous-sol, on a découvert ensemble un sac à ordures, un gros sac à ordures dans lequel il y avait pêle-mêle plein de photos. Des photographies de l'enfance de mon père, de toute sa famille qui ont habité à Cartierville là, pendant des décennies. Puis dans le fond, on s'est rendu compte que c'était comme son album de famille, son album photo qu'il avait caché là. Puis là, bon, je sais pas, 15, 20 ans plus tard, après sa mort, on découvrait ça ensemble, ma mère et moi. Puis j'ai comme eu le sentiment qu'il y avait quelque chose là qui avait matière à écriture. Puis comme quelques mois plus tard, j'apprenais aussi que la maison à Cartierville, la maison familiale des Charland, était comme située à deux pas du parc Belmont. Parce que, bon, vous l'avez dit au départ, c'est un parc qui a fermé ses portes en 1983, donc plusieurs années avant ma naissance. Donc moi, j'ai pas de lien fort avec le parc Belmont, mais ça m'a comme un peu fascinée, cet environnement-là. Puis avec le matériel, les archives photographiques de mon père qui avait caché ça là, au sous-sol. Qu'est-ce qui vous fascinait dans cet environnement-là du parc Belmont? Ben, tout le côté un peu festif, fête foraine, mais collé sur un quartier résidentiel. Pour moi, il y avait quelque chose de vraiment comme de la coexistence de la vie quotidienne avec cette espèce de bulle qui, au départ, dans les années 20, le parc Belmont, c'était un endroit de villégiature. Les gens allaient là pour aller en campagne. Puis ensuite, ce qui m'a un peu fascinée, c'est le débalancement des émotions qui, pour moi, était vraiment important. C'est-à-dire que l'histoire familiale de mon père, de sa famille, de sa fratrie, c'est une histoire vraiment triste, tragique. Le père meurt quand mon père a 4 ans. Ma grand-mère est veuve avec 5 enfants à charge. C'est une histoire où on n'a pas le droit de parler de ces émotions-là, on n'a pas le droit de parler du deuil du père. Donc, il y a vraiment comme un tabou. Donc, à l'intérieur de la maison, c'est très dramatique comme ambiance. Puis, juste à côté, tout le monde est là en train de s'amuser. Puis là, c'est de comprendre c'est quoi, justement, habiter à côté d'une fête perpétuelle quand nous, à l'intérieur, ça va vraiment pas bien. C'est ça qui m'intéressait finalement de cet endroit-là. Alors, j'aimerais qu'on résume un petit peu le récit parce que là, vous juxtaposez le parc Belmont, la fête perpétuelle, à la tristesse qui régnait dans la famille de votre père. Dans votre récit, vous vous penchez sur ce père-là que vous essayez de connaître, de comprendre. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est
un livre sur mon père, donc c'est une tentative de comprendre qui il était à partir des archives que moi je découvrais, donc les photographies dans ce sac à ordures. Puis un an plus tard, j'ai reçu plein de vidéos aussi, donc j'ai travaillé aussi avec du matériel vidéo, donc à partir des années, comme la fin des années 40, des vieux Super 8, pas de son, des vieux VHS jusque dans les années 90. Donc d'essayer de découvrir qui était cet homme-là à travers les archives, à travers les témoignages de personnes que j'interroge aussi, puis à partir de mes propres souvenirs aussi, tout en sachant que toutes ces versions-là concordent pas. C'est-à-dire que c'est impossible d'arriver à un portrait final. Je pense que quand on termine le livre, on n'a pas l'impression de savoir vraiment plus qui il était. Mais c'est illusoire de penser qu'on connaît quelqu'un de fond en comble, qu'on a une vraie image de cette personne-là. Puis l'idée, c'était un peu plus de traduire cette enquête-là. Dans votre récit, qui est vraiment, c'est tout petit, là, c'est pas très long, c'est 200 pages à peu près, mais c'est vraiment très touffu. Tu sais, je me demandais, est-ce que tout le processus d'essayer de comprendre le père, la mère aussi, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais de votre père, est intercalé de certaines séances de psychanalyse ou des extraits de vos séances de psychanalyse. Fait que je me demandais, est-ce que le processus d'essayer de comprendre ce père-là, est-ce que ça participe aussi de votre propre compréhension de vous-même? Oui, je pense que c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on est chacune d'entre nous dans une lignée, dans un processus de... On a des parents et on aura peut-être des enfants, puis de comprendre notre place là-dedans. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on hérite de nos parents. Et bon, que ce soit... J'en parle aussi dans le livre physique, mais psychologique, émotionnel. Puis j'essayais de comprendre, c'est ça, comme le poids des générations, qu'est-ce que... Ce qu'on hérite, finalement, de nos parents, puis qu'on ne veut pas nécessairement, qu'on est pris avec ça. Les récits familiaux, le poids de tout ça, ça me semblait comme un bon point de départ pour parler de ça. Donc, je pense que aussi la question qui m'habitait beaucoup dans l'écriture, c'est que je parle d'une génération où on ne discute pas de ses émotions, où il y a vraiment un gros tabou. Puis moi, ben, je parle, je retranscris, bon, évidemment, avec des tours avec la fiction, mais des séances de psychanalyse où c'est axé sur la parole, sur parler de ses émotions. Donc, je pense que j'essaie aussi de sortir de ce schéma-là, justement, où on ne parle pas de nos émotions. Mmh. Vous avez du mal, cela dit, si on lit bien, oui. Il faut les séances, là. Oui. Puis vous revenez aussi parfois dans le texte avec, justement, le poids de cette lignée-là, puis vous avez peur de subir le même sort que votre grand-père et votre père ont subi, c'est-à-dire mourir d'une crise cardiaque. Est-ce que l'écriture de ce livre-là vous permet d'atténuer ça un petit peu? Non. Non? Non, je pense que l'écriture, ça passe pas grand-chose. Mais je veux dire que je pense qu'il y a plein de gens qui utilisent l'écriture comme une forme de thérapie, mais moi, pas du tout. C'est-à-dire que je trouve ça intéressant, je trouve que c'est une manière de se comprendre mieux soi-même, de comprendre les autres. C'est comme un outil pour moi, l'écriture, mais je trouve pas que ça passe grand-chose. Non, non. D'accord, tout va bien. C'est un récit qui porte principalement sur votre père, mais vous évoquez votre mère aussi. Mm-hmm. En fait, la façon dont vous la décrivez, on dirait qu'elle est toujours un peu contrainte. Elle est très préoccupée par son poids, elle suit des diètes, elle parle pas trop d'elle, justement. Mm-hmm. Et je me demandais, est-ce que, en écrivant ce livre-là, est-ce que ça vous a donné aussi un autre point de vue sur elle? Je pense que c'est ça, c'est que la mère dans le livre, c'est un personnage secondaire, c'est-à-dire qu'elle est toujours... Je pense que c'est une bonne lecture que vous proposez, ce mot-là, contrainte, c'est-à-dire qu'elle est contrainte, elle est prise dans cette relation-là, elle n'est pas heureuse, elle voudrait bien sortir de cette relation-là, mais mon père était quelqu'un de contrôlant, quelqu'un de très fort dans ses émotions, même s'il en parlait pas. Donc, je sais pas si ça m'a donné peut-être une autre vision, c'est-à-dire une vision d'adulte.
une lecture de ma famille, d'un héritage familial que, auquel j'avais pas accès parce que quand on a 11 ans, on voit pas que son père est alcoolique, on voit pas que sa mère est malheureuse. On voit comme ponctuellement des moments où les parents sont tristes ou malheureux, mais on n'a pas comme une lecture d'ensemble, j'ai l'impression. Puis ce projet-là, ça m'a donné ça. J'ai l'impression que j'essaie de parler de... d'adultes dans leur génération, puis la question du poids, l'idéal de la minceur, ça a marqué une génération de femmes, mais surtout dans les années 80, 90, début 2000. J'ai été élevée par des femmes qui, même rendues à 80 ans, se préoccupaient de chaque aliment qu'elles allaient ingérer, du poids, puis ça me déprime beaucoup de penser que toute une vie est axée autour du poids. Puis de l'apparence physique. Moi, ça m'a marqué. J'ai vu ma mère, mes tantes faire des régimes, manger des raisins pendant 48 heures comme une cure de désintox, des choses hallucinantes. Donc, je voulais aussi parler de ça, parce que dans mon livre, il y a aussi tout ce rapport-là au corps qui est important, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. J'aimerais qu'on parle de Cartierville, puisqu'après tout, on y est aujourd'hui. Dans le récit, vous avez une tentative de visiter la maison familiale qui se retrouve sur la rue Rangée, si je ne me trompe pas. Bon, tentative qui échoue. Mais qu'est-ce que vous connaissez de Cartierville ou qu'est-ce que... Très peu de choses. Cartierville, c'était comme un endroit... presque imaginaire pour moi, c'est-à-dire que quand ma grand-mère, quand la famille parlait des différentes maisons de ma grand-mère, il y avait la maison à Cartierville, la maison à Champfleury, puis ensuite elle est venue habiter chez nous à Blainville. Puis c'était comme des endroits qui n'avaient pas d'ancrage, ça m'évoquait rien. Puis c'est en dînant avec un cousin qui me disait « oui, ben la maison, elle existe toujours, tu l'as jamais vue ». Puis là, il était extrêmement surpris parce que mes cousins sont plus âgés, donc eux, ils ont vécu un peu cette époque-là. Puis là, il m'a dit tout de suite, il faut qu'on aille voir la maison, je vais te la montrer, on va rentrer. C'est ma grand-mère, c'est notre grand-mère qui a fait les plans de cette maison-là. Donc, il y a aussi un ancrage très fort, même au niveau architectural. Mais c'était la première fois que j'allais à Cartierville de ma vie. J'ai un rapport à Cartierville qui est seulement médiatisé par les souvenirs des autres. C'est-à-dire que moi, je n'y ai pas vécu, je n'ai pas de souvenirs de Cartierville. Puis, je connais ce quartier-là par les histoires qu'on m'a racontées de ce quartier-là. Puis quand vous êtes... C'était en 2018, si je me souviens bien. Oui, 2017-2018. Quand vous êtes venu sur place pour essayer de voir la maison, est-ce que ce que vous avez vu concrètement correspondait à ce que vous étiez construit dans votre imaginaire? Oui, ben c'est comme... c'est un petit quartier qui ressemble un peu à un quartier de banlieue. C'est très résidentiel. Moi, j'habite Côte-des-Neiges, donc vraiment un quartier très différent là, au niveau de l'aménagement urbain. Donc oui, je pense que ça correspondait quand même. Mais ce qui m'a frappé, c'est la proximité à la rivière des Prairies, puis le pont, puis tout ça. Donc ça, je m'étais pas trop imaginé ça. Les grosses artères à côté de quartiers résidentiels. Donc ça m'a quand même surprise. Mais sinon... Oui, c'était assez fidèle à ce que je m'étais imaginé. Puis j'avais aussi les photos de la maison. Puis là, c'était de faire le jeu des différences entre la maison de 1949 et la maison de 2017-2018. Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Non, c'était assez fidèle. Il y a eu un petit agrandissement au-dessus du garage qui a changé. Une petite maison bien régulière. Là. C'est ça, j'aurais aimé ça voir l'intérieur parce qu'il y a très peu de photos de l'intérieur dans toutes les archives que j'ai. Il y a vraiment comme... une impossibilité de savoir ce qui se passait dans cette maison-là. Puis est-ce que dans cette visite-là que vous avez faite à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez pris le temps de retourner sur les lieux où était le parc Belmont? Oui. Qui est finalement juste un grand espace vert. Il y a vraiment un effacement de ce lieu-là, comme si... Il n'avait jamais existé. Oui, donc il y a le nom, mais il y a très peu de traces au final. Ça m'a quand même surprise parce que ça dure pendant 60 ans, le parc Belmont. Ça marque l'imaginaire du quartier, ça marque l'imaginaire... De Montréal. De Montréal, mais d'ailleurs, toutes les personnes de la génération de mes parents à qui j'ai parlé de mon projet avaient une anecdote sur le parc Belmont parce que c'était les sorties scolaires des banlieues, même de très loin, qui venaient passer la journée au parc. Donc, ça a vraiment marqué l'imaginaire social collectif, ce parc-là.
La grosse femme du parc Belmont. À tous les coups, elle t'a fait peur, la grosse femme du parc Belmont. Elle en a terrorisé bien d'autres avec son rire grave et inhumain, son corps cireux traversé par des soubresauts d'hilarité. Tu as longtemps voulu t'approcher d'elle sans oser, caresser le trou noir et abyssal entre ses deux palettes, pour voir si, comme ta maman le promettait, elle croquerait ton doigt et le recracherait seulement après l'avoir bien mâchouillé. Plus vieux, tu as souhaité soulever sa jupe, enfouir tes mains sous le tissu, voir si le sexe était aussi lisse que tu l'imaginais, flatter doucement les jambes de la grosse femme du Belmont. Mais il y a une grille. La devanture du parc ressemble à un château médiéval cheap qu'un enfant aurait colorié en dépassant les lignes, sans savoir choisir les tons qui s'harmonisent. Entre les deux tourelles jaunes, vertes et blanches de l'entrée, une banderole nous confirme que nous sommes bien arrivés, que les vacances commencent enfin, que ta maman criera hystériquement dans les manèges, que ton papa perdra son change, la tête à l'envers dans le loop au plein et sacrera, que les enfants s'empriffreront jusqu'au mal de cœur de boule au miel bien huileuse et s'essuieront les mains sur leurs habits du dimanche. On dit que tous les tramways de Montréal mènent au parc Belmont, et c'est vrai, nous y sommes. On entre. À gauche, il y a une grande tente où l'on annonce les attractions du moment. Circus Sideshow, Rubber Skin Man, Harmless Girl, Fattest Girl Alive, match de lutte, soirée bingo animée par Paul-André Labbé, The Fabulous Trotters en spectacle ce soir au pavillon de danse où l'on va moins écouter la musique que flirter avec les filles. Les couleurs pastel de la tente éclaboussent les yeux, le bruit assourdissant de la ferraille qui frotte et gruge enterre la musique de carrousel, les cris des amuseurs, des enfants et des femmes qui ne veulent pas perdre leurs petits. L'odeur du popcorn, de la barbe à papa et des pommes au sucre se combinent en un mélange envoûtant et on croirait que tout le monde est sous au Belmont. Les hommes et les femmes de ta génération conservent un souvenir du parc Belmont, celui d'un wagon de la souris folle qui vire si sec au tournant qu'on se retrouve l'espace de quelques secondes à moitié dans le vide. En 79, lorsqu'une cabine du paratrooper se détache du manège et tombe, on ne s'indigne pas vraiment, mais tout le monde est surpris que ce ne soit pas un wagon de la souris folle qui soit passé tout droit. On demande aux auteurs et aux autrices qui participent à ce balado-là de nous faire des suggestions mm-hmm. de leur incontournable. J'en ai fait beaucoup, hein? Oui, mais en fait, je regardais la totalité de ce que vous nous avez suggéré, puis ce ne sont que des femmes. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose? Oui, je pense que... C'est-à-dire que il y a plein d'auteurs, des hommes qui ont influencé et qui continuent d'influencer ma pratique, mais je pense qu'il faut faire un effort pour lire des femmes, c'est-à-dire que c'est pas pour certaines personnes, c'est pas un réflexe. Moi, j'enseigne, je suis chargée de cours à l'université en littérature, j'essaie que mes corpus soient diversifiés, que ce soit idéalement paritaire, qu'il y ait aussi des représentations culturelles différentes. C'est un effort que je fais dans mon enseignement, c'est un effort que je fais dans mes lectures. Puis, je trouvais ça intéressant, là, en venant ici, de proposer des lectures de femmes. Il y a plein de choses dans ce que vous avez proposé que je ne connais pas du tout, et ça, c'est vraiment génial. Super! Ou des choses dont j'ai entendu parler, mais mm-hmm. que j'ai pas eu le temps encore de me pencher dessus. Donc, il y a Symptômes de Catherine Oslo. Donc ouais. Là, on voit la personne qui s'intéresse à la BD dans ouais. ses recherches. Pourquoi vous avez fait le choix de Symptômes? C'est la bande dessinée la plus récente de Catherine Oslo. C'est sur une femme qui se fait diagnostiquer un trouble de la solitude, qui entre finalement dans un groupe de soutien composé uniquement de femmes. Puis c'est sur la maladie, sur comment vivre avec les autres, comment entrer en relation avec les autres. Donc, toute la question de la communauté. Puis, c'est sorti, il me semble, janvier 2022, tout juste après la pandémie, à un moment où, justement, le tissu social était en train de s'effriter, ouais. C'est ça. Puis, c'est très, très beau. C'est à la fois... Bon, c'est un univers très onirique. La palette de couleurs est super belle. Donc, je trouve que c'est une œuvre qui est très réconfortante, même si c'est sur quand même la question de la solitude, la maladie, l'anxiété aussi, beaucoup. Je trouve que c'est une belle suggestion. Puis ça se lit super vite à la bibliothèque. On a juste besoin de s'asseoir un après-midi, puis on traverse l'œuvre. C'est un beau point d'entrée dans son œuvre, je pense. Ouais. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est quand je connais pas trop les œuvres, j'essaie ouais. de les mettre comme en paquet pour mm-hmm. que ça corresponde à quelque chose. Puis là, je me disais The Stories We Tell de Sarah Pauli, mm-hmm. puis le Madeleine Project. Ouais. On dirait un peu que
Je fais un parallèle avec votre récit parce que c'est des gens qui investiguent la vie de d'autres personnes. Donc, c'est un petit peu ce que vous faites dans l'été au Parc Belmont. Parlez-moi un petit peu de Madeleine Project. Oui, donc Madeleine Project, c'est un drôle d'objet. C'est Clara Boudou. Clara Boudou, c'est une journaliste à la base, puis elle déménage à Paris. Et attachée à son appartement, il y a une espèce de locker qui n'a pas été vidé par l'ancienne propriétaire de l'appartement. Puis elle se rend compte finalement que c'est les affaires de Madeleine, la femme qui habitait son appartement auparavant. Madeleine qui a traversé le 20e siècle. Donc elle a vécu comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tous les changements numériques. Donc une femme dont le parcours historique est incroyable. Une femme aussi qui accumulait beaucoup d'objets, beaucoup d'archives. Donc, Clara Boudou décide de faire le dépouillement, finalement, de cette cave-là, de ce sous-sol-là, où elle trouve tous ces objets-là, parce que Madeleine n'a pas d'enfant, son neveu n'est pas intéressé par ces objets-là. Puis elle fait ce dépouillement-là sur Twitter, à l'époque. Donc, elle tweete en live, en direct, toutes ces découvertes. Et donc là, ce qui m'intéresse de ce projet-là, c'est à la fois le côté comme trouver des archives, dépouiller, mais c'est aussi que ça l'a créé comme une communauté autour du projet. Parce que Twitter crée un espace où les gens pouvaient interagir. Des fois, elle trouvait des objets, elle ne savait pas ce que c'était, elle demandait aux internautes. Il y avait des personnes qui lui répondaient. Donc, c'est tout ce côté-là un peu communautaire autour de la personne. Puis, il y a plusieurs saisons. Finalement, le livre qu'on a ici, c'est les deux premières saisons, mais je crois qu'il y en a cinq. Puis il y a des archives sonores aussi. Donc, c'est un drôle d'objet à imprimer, mais tout ça est en ligne et c'est interactif. Il y a des sites sur lesquels on peut cliquer, des bouts d'entrevues avec ses voisins pour apprendre qui était cette femme-là, qui était Madeleine, parce que c'était la grande interrogation de Boudou. Intéressant. Ouais. Et Stories We Tell, donc ça, c'est un DVD, c'était un documentaire. C'est un documentaire fiction. Stories We Tell, c'est un film de Sarah Polley. Elle décide de faire un film sur sa mère, Diane Polley, qui était une actrice canadienne assez connue. Puis en faisant ce film-là, elle se rend compte que son père, c'est pas son père. Elle se rend compte qu'il y a un gros secret de famille, puis que l'homme qui l'a élevé, finalement, c'est pas son père biologique, c'est son père, mais c'est pas son père biologique. Et donc là, elle rencontre cet homme-là. Puis dans le fond, c'est une espèce de mosaïque autour du personnage de la mère. Puis c'est ça, elle fait beaucoup de place aux différentes interprétations parce que tout le monde a une vision différente de cette femme-là. Puis les versions ne concordent pas. Puis ça, je trouvais ça très, très intéressant. La deuxième phase des suggestions de lecture, je ne sais pas trop comment appeler ça. Ouais. Mais là, il y a Scholastic Mukasonga, Notre-Dame du Nil, Chris Krause, I Love Dick, et Nathalie Léger, La Robe Blanche. Alors, j'en ai lu aucun. Okay. Mais en fait, en lisant un peu les quatrièmes de couverture, puis parce que j'en ai entendu parler quand même un peu, je me disais, tu sais, il y a quelques instants, on parlait de ces femmes contraintes qui doivent présenter une certaine image, qui doivent correspondre à ce qu'on attend d'elles. Puis je trouvais que tout ça, ça allait très bien avec ces trois livres-là. Vrai. Donc Notre-Dame du Nil, I Love Dick, puis La Robe Blanche. Ouais, c'est vrai. I Love Dick de Chris Cross, c'est un livre qui est basé sur des correspondances, là, c'est-à-dire c'est une femme qui est en couple avec un universitaire spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup plus vieux qu'elle. Puis en conférence, elle voyage avec son mari. Elle a une carrière de cinéaste un peu expérimentale, mais elle se dit elle-même ratée, hein, comme si elle n'était pas capable de s'accomplir. Puis dans une conférence, elle a un coup de foudre pour un autre homme. Puis elle commence à lui écrire des lettres. Le deck en question. Le deck en question. Elle commence à lui écrire des lettres. Puis finalement, son mari embarque et les lettres commencent à être écrites à deux. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a comme un... C'est un renversement du lieu commun de la muse.
la muse féminine chez les hommes, hein, donc qui a beaucoup nourri la littérature, hein, donc cette femme objet de désir. Puis là, c'est une femme qui assume son désir, qui écrit justement à cet homme-là des lettres très passionnées, mais aussi des lettres très intellectuelles, des lettres où il y a des lettres essayistiques sur des femmes artistes, des femmes activistes. Donc, c'est tout le côté comme intellectuel de reprise en main aussi de sa destinée, de sa carrière, de bon, tout ça. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. La robe blanche de Nathalie Léger, c'est sur une artiste de performance qui s'appelle Pipa Bacca. Elle part de Milan en robe de mariée, à pied, et elle veut traverser jusqu'à Jérusalem, je crois. Donc, c'est une performance. Elle part du principe qu'il faut faire confiance à l'humanité et que si on fait confiance aux gens, ils vont nous le rendre. Et donc, elle marche, elle fait de l'autostop et elle documente son voyage. Sauf que je crois que c'est en Turquie. Elle est embarquée par un camionneur. Elle est violée et tuée. Et laissée dans un fossé. Donc, la robe blanche, ça retrace finalement ce fait divers-là autour de cet artiste-là. Ça, c'est une réflexion sur la performance quand on est une femme artiste, sur le traitement aussi médiatique très difficile que Pipa Bacca a reçu en disant que ça n'avait pas de sens qu'elle fasse ça, qu'elle l'avait mérité même. Hein, ça a été dit aux nouvelles. Donc, c'est une réflexion aussi sur cette prise de risque-là quand on est une artiste féminine. Chauffer le dehors de Marie-André Gill, de la poésie. Ouais, il me semble que c'est son plus récent recueil de poèmes publié à La Peuplade. C'est vraiment un recueil de poèmes intimiste sur une peine d'amour très près de la nature. Pour moi, je trouve que c'est un super beau point d'entrée dans la poésie pour des gens qui pensent ou qui n'aiment pas la poésie, qui pensent ne pas aimer la poésie ou qui trouvent ça difficile. Je pense que c'est vraiment un super beau recueil de poésie. Je recommande tous les recueils de Marie-André Gill. Vraiment, là, c'est une poète puis une autrice extraordinaire. Mm-hmm. Vraiment à découvrir. Vous aimez bien, en fait, les livres plus expérimentaux, je sais pas si artistique. Je peux le dire comme ça. Ouais. Oui, mais je pense que c'est comme... j'aime aussi, je lis plein de Balzac, puis de livres un peu plus classiques, mais je pense que j'aime ça faire découvrir à mes étudiantes, des projets atypiques, des projets un peu qui sortent des sentiers battus, puis j'enseigne la création littéraire aussi, donc j'essaie de leur montrer comment on peut sortir justement du moule, puis qu'on peut expérimenter, qu'on peut essayer plein de configurations différentes. Ben, c'est des belles découvertes pour les auditeurs et les auditrices. Tara Charland, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir reçue. Rivière des Prairies. Le matin des jours d'été où l'école n'en finissait pas de ne pas recommencer, mon père et ses deux cousins se levaient tôt, prenaient quelques noix pour simple déjeuner et mettaient dans leur sac des sandwichs pour l'après-midi. Ils remontaient la rue Rangée et bifurquaient ensuite sur l'avenue Rivoli pour rejoindre la berge et les poissons incomestibles de la rivière des Prairies. De l'autre côté, l'île Jésus, encore peu industrialisée. Le boulevard Henri Bourassa vient d'être construit, l'autoroute métropolitaine aussi. Le chemin qui les mène à l'eau sent encore l'asphalte neuf. Après plusieurs heures de pêche où l'on rend à la rivière ce qu'elle a donné, les garçons s'assoyaient sur les hauts rochers et se racontaient prudemment leur amour pour Anne, la voisine entre leurs deux maisons, amour qu'ils entretenaient depuis déjà 4 longues années. De fins cheveux châtains et des yeux bruns bordés de cils très longs, sa bouche en cœur qui bouge au ralenti quand elle parle. Tout au long des années 60, tu passes la plupart de ton temps chez tes cousins, dans une maison où tu profites d'une présence paternelle rassurante. Réal et sa femme Huguette t'accueillent à bras ouverts et tu ne trouves rien de plus beau que le moment où, juste avant de prendre son café, elle défait son chignon, ses longs cheveux bouclés se dénouant et tombant lentement jusqu'à ses fesses. C'est ta première image érotique. Daniel Croteau, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes en fait né à Cartierville? Pas tout à fait, non. Ah. Ma grand-mère, mon arrière-grand-père avait acheté une maison à Cartierville. Et puis, mon père a déménagé. J'avais 7 ans à l'époque. Et depuis l'âge de 7 ans, vous êtes toujours resté à Cartierville? Plus ou moins. Oui, en quelque sorte. Donc, c'est un quartier que vous connaissez bien. Très bien, oui, effectivement. Okay. Vous avez connu le parc Belmont? Ben oui,
On l'entendait surtout, puis je voyais les personnages déambuler de temps à autre dans les rues. La femme avec la barbe, les messieurs de 390 livres sur des petits bicycles. Vous l'avez fréquenté? OK. C'était comment pour un enfant d'aller là? On s'émerveillait naturellement, hein? On ne savait pas quel manège, lequel qu'on préférait. Puis il y avait des jeux, des endroits où est-ce qu'on pouvait voir les. Si je me souviens bien, c'est un endroit avec des miroirs, avec des effets spéciaux. De beaux souvenirs, là. On prenait une grosse massue pour essayer de faire monter la flèche pour gagner un toutou, là, tu sais. Donc, oui, c'était bien, la barbe à papa. Oui, puis on dit que tous les tramways de Montréal menaient au parc Belmont. Ah, c'était Cartierville, c'était quelque chose à cette époque-là. Les gens partaient du centre-ville pour venir au parc Belmont, entre autres. Puis naturellement, le cœur de Cartierville, c'était en face de l'hôpital du Sacré-Cœur, où c'est le parc Rimbaud. Sur le boulevard Gouin. Sur le boulevard Gouin. Mm-hmm. C'est là que ça se passait. C'était quoi les autres endroits incontournables de Cartierville à l'époque? Il y avait le Commodore. Le Commodore, c'était le cinéma du quartier. Je m'en rappelle des filets de gens qui attendaient pour aller voir King Kong contre Godzilla. C'était impressionnant. Écoutez, c'était un beau cinéma. Vraiment, malheureusement, ils l'ont détruit. Vous fréquentez la bibliothèque depuis longtemps? Oui, bien sûr. Ben, je viens chercher des livres. Je suis présentement en cours sur les iPads. Comment vous qualifieriez la présence de la bibliothèque dans le quartier ici? À quoi elle sert, selon vous? Moi, je pense qu'elle est très importante, la bibliothèque, ici, dans le quartier. Le quartier est comme en deux parties, quartier-ville, je dirais, hein, parce qu'il y a un côté où il y a des... Si on regarde à l'ouest de Marcel Lorrain, c'est Cartierville toujours, puis c'est des gens bien nantis qui habitent dans ce coin-là, hein, on s'entend. Maintenant, si on regarde dans le coin ici, c'est Cartierville est rendu quasiment une terre d'accueil, hein, pour les immigrants ici. Alors, c'est important pour eux d'être capables de s'intégrer au Québec via la bibliothèque. Via qu'est-ce qu'on peut leur enseigner du français, entre autres. Je pense que c'est très important d'avoir une bibliothèque dans ce quartier-là. C'est quoi les endroits incontournables aujourd'hui dans le quartier pour vous? On est chanceux au niveau des parcs. On a plusieurs parcs. Hein. On a le parc Rimbaud, qui est un très beau parc. Moi, j'ai le parc Saint-Odile, qui est pratiquement à côté de chez nous. Après ça, Villa Vidal, un autre parc qui vient de bâtir. Pour ça, c'est bien. À part ça, Cartierville, maintenant, ils essayent de mettre ça au goût du jour. Là. Ils viennent d'avoir une nouvelle galerie d'art qui vient d'ouvrir. D'aller d'ailleurs au vernissage, c'est le fun parce que cette personne-là habitait dans le quartier depuis longtemps. Et puis, elle a acheté cette bâtisse-là pour faire une galerie d'art. Et puis, elle veut inciter les gens du quartier à venir exposer là. Parce que ça fait vraiment longtemps. Salut Sophie! Allô Sarah! Je suis vraiment contente de te voir. Moi aussi. Ça fait vraiment longtemps. Il faut dire qu'on est à la bibliothèque de Cartierville. On a travaillé ensemble, c'est ça, 2 ans, hein, de 2016 à 2018. Ouais. Fait que ça fait longtemps, ça fait presque 6 ans que moi je travaille plus ici, que toi tu as continué à travailler ici. Et en rentrant tout à l'heure, je me disais, c'est pareil, mais ça a beaucoup changé quand même. Ouais. C'est vrai que la bâtisse est la même, mais il y a beaucoup, beaucoup eu de changements. Par exemple, si on commence déjà l'année passée, on a eu le Bibliothèse qui a été initié par le Bureau du design de Montréal, qui visait à améliorer l'expérience du citoyen ici dans la bibliothèque. Donc, nous, de notre côté, ça s'est beaucoup concrétisé avec l'espace jeunesse et l'espace ado, qui est quand même nouveau depuis ce moment-là. Donc, on reçoit des ados, ils occupent l'espace depuis ce temps-là. On a eu donc beaucoup de nouveaux mobiliers
atelier qui est beaucoup plus ludique, qui est beaucoup plus attrayant, que les jeunes, dès le jour 1, se sont accaparés, ils ont utilisé l'espace. Donc, on est vraiment très contents de ça. Je me souviens d'un partenariat, j'espère qu'il dure encore, oui. Avec un des organismes qui est juste à côté, ici, sur la rue de Salaberry, la maison des parents, et qui venait faire de l'aide aux devoirs pour les jeunes. Oui, est-ce c'est que ça. C'est quelque chose qui dure encore? Oui, ouais. C'est toujours... puis je pense que c'est les mêmes intervenants. Donc, Mme Swad, M. Mohamed, ben oui. qu'on adore ici. Fait que oui, ils offrent du lundi au jeudi de l'aide aux devoirs. Ils sont là pour aider les jeunes avec tous leurs travaux. Puis c'est un service qui est très utilisé par les jeunes, en fait, parce que c'est ça, ils viennent ici après l'école, donc ils n'ont pas nécessairement leurs parents pour les aider et tout ça. Puis Mme Swad, M. Mohamed sont là. Comment tu décrirais les autres partenariats de la bibliothèque avec la communauté? Est-ce qu'il y a d'autres organismes communautaires, oui. avec lesquels la bibliothèque fait encore affaire? Et on a la Maison des jeunes qui n'est pas très loin aussi, qu'on collabore encore sur des projets, notamment la soirée des ados qui continue. Donc, c'est une grosse soirée où on reçoit de 80 à 100 jeunes. Puis sinon, il y a Ville-en-Vert aussi, qui font des ateliers comme plus portés sur l'écologie, le jardinage et tout ça. Puis ils nous ont aussi offert leur expertise là, récemment sur notre jardinothèque éphémère et notre bouturothèque éphémère, donc des nouveaux projets qui ont vu le jour, mais ils sont là pour nous aider avec les semences et tout ça. Il y a Concertation Femmes aussi, on leur offre des ateliers de francisation. Puis eux autres aussi, ils réalisent des super expositions avec les femmes avec lesquelles ils travaillent. Puis à chaque année, on en reçoit ici, puis ça nous jette tout le monde à terre, là. C'est vraiment des super expos, fait que c'est réciproque, on les adore. Ah, c'est vraiment chouette. Une des caractéristiques aussi de la bibliothèque, puis un des gros dossiers sur lesquels je crois que tu travailles, c'est le festival... C'est le festival Jolie Conte et Raconte, parce qu'en fait, on a un nouveau volet. Donc, toi, tu connaissais la mouture du 05, donc on visait les tout-petits avec des contes, mais là, ça s'est un petit peu développé. Donc, on est rendu, on dessert les jeunes de 0 à 12 ans. Puis on a intégré les jeux de société éducatifs là-dedans. Donc, wow. D'où la partie des mathématiques. Donc, il y a encore l'éveil à l'écriture, à la lecture, mais c'est ça, on a intégré les mathématiques avec cette partie-là. Donc, c'est encore un super festival. On offre 50 animations dans les parcs de l'arrondissement pendant tout l'été avec pas mal les mêmes animatrices que tu connais aussi, donc qui adorent le festival, puis que les parents reconnaissent et tout ça. Puis... ouais, c'est un très beau festival qui nous fait rayonner ici à Anse-Cartier-Ville. Mm-hmm. Et vous utilisez la bibliomobile? Oui, bien sûr. Donc, notre super véhicule qui sillonne les routes d'Anse-Cartier-Ville encore. Donc oui, il y a la bibliomobile qui va dans les parcs l'été, mais on continue aussi les livraisons de bacs dans les résidences de personnes âgées, dans les écoles, dans les garderies. Ça, ça n'a pas changé non plus. Donc, on va vers les populations qu'on ne peut pas aller chercher, bien, en fait, qui ne viennent pas ici à la bibliothèque. Là. Mm-hmm. Comment tu décrirais la place de la bibliothèque dans la communauté ici? Bien, c'est un gros point de départ, je dirais, parce que... bon, c'est ça, je parlais des jeunes, mais il y a aussi l'autre grosse partie de notre clientèle, c'est les nouveaux arrivants. Donc, Cartierville, c'est assez multiculturel. Puis on a beaucoup de fraîchement nouveaux arrivés. Donc, c'est souvent leur point de départ, la bibliothèque, soit pour utiliser nos ordinateurs ou pour chercher des services, donc logement... travail ou quoi que ce soit. Donc, nous, on peut les référer à ce moment-là, les aider un petit peu à se démêler là, à travers le quartier. Vous écoutez la quatrième saison d'Histoire de quartier. Vous pouvez emprunter ou réserver le récit de Tara Charland ainsi que ses suggestions dans les bibliothèques de Montréal. Je suis Sarah Oussama, bibliothécaire et animatrice de la série Histoire de quartier. Merci à Tara Charland d'avoir discuté longuement de son récit si intimiste, à Daniel Croteau pour les histoires autour de Cartierville et à Sophie Raymond pour les rires et les souvenirs. Abonnez-vous à la série Histoire de quartier sur votre plateforme de balado préférée pour ne rater aucun épisode. Production Bibliothèque de Montréal, enregistrement, réalisation et musique, virage sonore.